un rouge qui passera devant, on sera au milieu, bleu derrière. Et voilà, en gros, c'est tout. Alors, ambiance rapidité, tu te cales sur mon avis. Messieurs, vous Ok, êtes prêts? d'accord. Ouais. Ok, bah dans ce cas, on est parti. Rouge, tu nous emmènes, tu connais le chemin, Ok, tu me fais on est un parti. flash radio. Ok. Parti. Leader ici, Guan, nous sommes partis. Parlez. Vas-y, doudou. Bien ping. Bien ping, Gwen. Soudain, t'es bleu! Putain, j'ai aucun son non plus, c'est chelou. Oups. Ok, pour rouge et pour bleu, ça sera Dunko le chef de rouge. Ça sera Aku le chef de bleu, celui qui répondra à la radio à mes ordres, qui ferait remonter les informations pour répondre. T'es responsable de bleu à un coup. Ouais, j'ai entendu, ouais. On est déjà pas très loin de l'aéroport, hein. Ok, dans ce cas, on oblique et on va prendre directement la côte. Ok. La côte. Parti. Accroupi. Pour info, la vieille, moi j'ai un pour couper les barbelés. Ah, ça c'est parfait. Je voulais poser la question au UFO, je peux plus penser. Alors, j'ai aucun son, putain. Bon, tant pis. Hop. Oh putain, trop bien la lunette. Le PSO. T'as vu, t'as un petit mode mire éclairé. Ah, comment tu fais? N. Excusez-moi. Donc à touche, ambiance, rapidité, arme ballante, donc vous allez la voir osciller devant vos yeux, debout, allant dans la marche. C'est bien, parce que moi je dois. On doit scruter la droite et l'arrière, y'a pas grand chose, c'est cool. Ah, hélico. Hélico ou avion? Possible avion. Ouais, non? Ah, c'est un avion ça. Non, hélico, avion, peut-être des hélices d'avion. Ok. Le mec il se mouille pas. Okay. Peut-être un avion avec des hélices d'hélico. C'est un audio. C'est un avion. Impression radio, hélico. Un truc à hélice. Je cours un petit peu. Ok. C'est un avion qui décolle. C'est un avion qui vient de décoller. Bon, tu vas le voir passer. J'attends également que tu notes la direction de la distance. Ah, c'est bon, ça suit. Ok, dès qu'on arrive à la dernière arbre de la mangrove, on fera une pause pour respirer. On n'est pas fatigué. Et si jamais il n'y a pas d'arbre avant 300 mètres, tu t'arrêtes dans maintenant. Ok, on serait parti d'arbre en arbre. Bleu, vous restez un peu derrière. Vous êtes... Ouais, c'est parti. Allez. On va même jeter un coup d'œil. Tac. On va passer au travers en fait. Ok. Et le bout de la piste là-bas. On peut pas passer au travers en fait. Que dalle. On a un hangar. On a déjà un hangar, ouais. Ouais. Ok, il y a également les baraques. On est sur un roof. Message là, contact infanterie. Bah ouais, moi je viens de m'entendre dire fusillé, 200 mètres, plein gauche. Ok, départ, on y va. Attends, la nuit, tu veux qu'on fasse quoi là?
On est canal 2, la vieille. Hein. Ouais, on est canal 2. Tu vas suivre l'itinéraire indiqué, donc l'itinéraire jeune, jusqu'à ce qu'on croise les. Jusqu'à ce qu'on croise les. Comment s'appelle les. Ah, bordel, les barrières. Et on est reparti. On y va. Ambiance habilité à rouge. Fier. On est prêt, tu dis ? Je vais pas glisser. Rouge, tu prends est. Donc rouge, tu prends l'est. Bleu, tu vas prendre le nord et l'ouest. Et nous, on fait des flippettes, on reste en bas. Ils sont juste là, les barrières. Ouais. Rouge, t'essayes de me glaner aussi un peu d'intel sur l'intérieur du campement, enfin de l'aéroport. Ok, pour info, les barrières c'est juste des grillages. Hein. Ouais. Commandement ici, Guantan. Ouais, ça m'arrivait au point station en attendant d'ordre. Parlez. Oui, correct. J'ai rien à signaler. Merde, Warzen, tu t'es perdu. Je vois la queue de l'avion dans le hangar. Ouais, c'est bien pris. Si on a visu, on vous transmet immédiatement les infos. Sinon, on attend du top. De Iguantam. Ok. Donc pour l'instant, la vieille. Ils ont pas de visu sur rien d'autre que les patrouilles. Ouais. Je me suis pas relevé, je suis resté à genoux pour voir rien. Et debout, ça donne quoi? Ah, j'ai pas pris le risque. D'accord, bah tu peux le prendre. Dans une plante et Doudou, donc étant donné que t'es médecin, tu feras des checks réguliers okay. À la radio. Tu prendras okay. Bah, si tout le monde va bien. Ok, d'accord. Ok, donc tout. Enfin, si. Comment dire. Tigre est en train de se mettre en place. Ils sont environ à une centaine de mètres de leur point d'arrivée. Allô, allô. Ouais, j'écoute. Allô. Warzen. Ouais. J'ai perdu une mission. Ah, ben, cool. Non. Ah, merde. Warzen, je t'ai entendu, je crois. Yeah. Ok. J'ai redémarré TS, j'ai retrouvé mon son, mais j'ai pas de son du jeu. Ah, t'as non plus. Super. On attend que les autres ils se mettent en place, voilà, c'est ça. Si, Yuan parlait. Ouais, c'est ça. Attends, je suis en radio. Loin la patrouille. Ouais, si Gwen, on a bien pris, on checkera la grille avant de foncer vers l'intérieur. Donc, messieurs, à côté du point Suez, alors. Non, bleu ça ne concerne pas, c'est rouge que ça concerne les verts. Donc, on a une guérite pas loin du point Suez, apparemment une guérite de contrôle. On sera particulièrement attentif à cette guérite parce qu'elle pourrait contenir éventuellement des individus armés. Donc, ça sera traité en priorité. Ok, j'ai les potes en visu. Est-ce que tu peux t'avancer en rampant? Ah, mais il n'y a pas la peine de s'avancer, on a déjà une entrée ici. Attends, la vieille 30 secondes là, prends la carte. Ouais. A priori, j'ai vu des zingues là. Tu les ailes sur tigre. Ouais. Et un mec va trouver par là. D'accord, ok, c'est un sûr. Azimut 330, il y a tigre en visuel. Ok. Ouais. Oui, il y a une entrée juste là. Ici, Yuan parler.
confirmant la présence de sentinelles sud hangar 1 en passerelle hauteur, passerelle extérieure ou intérieure. Tu m'as dit. Ok, c'est bien pris. Il a la radio, il a la radio. Bien pris de Iguane, signalons également individu isolé sur droite hangar 1, donc est, armé en patrouille. Parlez. De Iguane, c'est bien pris. On traitera à ton top la patrouille située est en gare et puis nous foncerons vers le hangar. C'est bien pris. Ok, donc rouge, on a du personnel à l'intérieur du hangar sur une espèce de plateforme circulaire qui fait le tour de l'intérieur du hangar, donc qui sera en hauteur à l'intérieur du hangar. Ok, faudra le traiter. Voilà. Bleu, tu m'entends? Oui. Ok, tu te mets en place de sorte à pouvoir traiter la. Attends, putain, ils sont en train de gueuler dans le. Ah, ok, je les ai, les mecs. Sur la. Le mec, donc à l'est du hangar, tu vois d'ici? Non, j'ai que les mecs dans le hangar là. Ah, il y a des mecs dans le hangar aussi. Okay. Ouais, deuxième étage. Premier étage. Il y en a plusieurs ou un seul? Non, j'en ai qu'un à la fenêtre. D'accord, bah, a priori, il y en aura qu'un. Donc, tu traites. Tu vas me traiter les deux bonhommes, donc trouve-toi un point de visu avec la patrouille à l'est, sur rouge éventuellement, parce qu'ils le voient de là-bas. Ok, j'avance. Tu me traiteras en priorité le mec à l'intérieur du hangar. Ok, ah mais je vais le perdre si je bouge. Ah. Ouais. Ok, eh ben écoute, on traitera... Ouais, je vais le perdre si je bouge. D'accord. Alors tu vas sur le... un rouge. On va s'occuper du mec qui est à l'extérieur du hangar pendant que Bleu traitera le mec qui est à l'intérieur du hangar. D'accord ? Ce sera le tir de Baku qui nous donnera le top action. 134 mètres. Ouais, c'est incessamment ça. Désolé, Dunko. Je sais pas si tu m'as entendu. Ah ouais, je t'ai entendu. En gros, j'ai perdu le son de mon jeu. Ouais, j'ai entendu Dunko, je suis normal. J'ai même souci que toi. Ok, à coup. Ok, 134. À coup. Ouais. Oui. Je te donnerai le top pour tirer. T'es équipé d'un silencieux ou pas? Non, t'es pas équipé d'un silencieux. Non. D'accord. Cache pas, absolument. D'accord, ça marche. Ah, le vocal, hein. Vérifie-moi. Ici, Iguane parlait. Surtout que je pense que je vais faire le kéké, me balader debout. Ouais, toi tu dis 134 mètres. Ouais, ok. Ouais, ici, Iguane, c'est bien. Il sera le top. Confirme, 134. Bon, t'en vois pas d'autres? Moi je vois que c'est lui là. Non, j'ai Boscan, pas vision. On passera par. Et le mec c'est un militaire hein. Par l'ouverture, là, dans le... Confirme, c'est un rose beef en DPM. Ouais, mais ça je suis bien. Mais... Ok. Bon bah, à coup va traiter le mec à l'intérieur de l'hangar. Toi, Warzen, mets-toi en position de sorte à pouvoir traiter le mec qui est à l'extérieur. Donc le top action sera les feux, les départs de feu de tigre. Donc on les entend, on traite les hostiles et on donne l'assaut. Faut pas qu'ils se baissent l'enfoiré. Bleu, tu nous laisseras, ouais. tu nous appuieras pendant qu'on fait progression sur le hangar. Et une fois qu'on sera arrivé à peu près à mi-chemin du hangar, tu nous rejoins, ok? Ok. Okay. La vieille, je le vois plus. Hein. T'as perdu visu sur la patrouille, c'est ça? Relatif. Ok, c'est bien pris. Dans ce cas... Bleu, une fois que tu auras traité ta cible, tu prends position à la position actuelle de rouge en vue de neutraliser la patrouille sur le côté qui pour l'instant n'est plus là, mais justement. Il faudra ouvrir les yeux, s'il l'a retrouvé, il l'a traité pendant qu'on avancera. Une fois qu'on sera à mi-chemin, tu nous en. Reçu. À mi-chemin, ou si tu n'as toujours pas traité le mec, la patrouille, dans ce cas tu nous rejoindras une fois qu'on sera arrivé au hangar. C'est reçu. Bon, bah ça passe, c'est pas évident.
Allez, si on peut l'avoir dans la tête plutôt que dans le gilet pare-balles et dans son sac. Mmh. C'est une poche d'eau qu'il a dans le dos. On va le faire fuir un peu. Je me mets à 100 vu qu'on a un vent d'eau. Mmh. On va le faire. Ah oui, tiens, t'as raison, je vais demander si on doit détruire les appareils. Le commandement est si Iwan, pardon. Ah, elle revient la patrouille. Elle revient des avions. Ok, on a repéré également plusieurs avions et hélicoptères à gauche, pardon, à l'est du hangar 1. Est-ce qu'il faut également nous les détruire, pardon? Putain, je ne vois pas. Ils viennent passer derrière le mur. Il y a le deuxième. Est de l'hangar 1 pour l'instant, c'est pas derrière le mur. Tu peux me donner les coordonnées? Alors, rien à signaler sur la piste. Ouais, c'est approximatif. Hein. Je pense que c'est... Attends. Les coordonnées sont stonées. Hein. C'est bien fait du bol. Ouais. Ouais, c'est bon, finalement, les coordonnées sont pas nécessaires. Vous avez combien de charges? Peut-être vous avez 4 charges. 4 et 4 peut-être. On va compter 2 charges par avion. Donc ça en fait 6 et il en reste 2. Vous les répartirez sur les avions qui sont à droite du hangar. Vous pouvez me parler. Ok, c'est reçu. Bon, messieurs, je donnerai le top action. Ouf. Top action, messieurs, top action. Hop, on est parti. À coup de traite. Traité. Bon, on est parti. Propre. Et ouais. Ok, vert, tu te repositionnes sur. Vers, on a des personnels au niveau des avions à droite du hangar, tu essaies de but. T'as vu le mec comment j'ai brisé la colonne vertébrale? Ouais. Sauvage. C'est quoi ce truc là? C'est des grenades. Ah, il balance de la sauce quoi. Genre, il y a un parking à annihiler, on y va quoi. Oh. JCRS. Ah, je l'ai enlevé moi. Ok, rouge, on a une entrée sur le du hangar, on peut passer par là. Tu confirmes, on doit rester ici? Ok, vert, tu nous rejoins. Il fallait qu'on prenne la place de rouge et qu'on se croise le côté droit du. Bleu, tu nous rejoins. Ok, on les rejoint. Okay. Bleu, on vous rejoint. Ouverture sur la gauche. C'est là qu'ils sont? Ils sont sur le hangar déjà? Ah ouais, ok. Ouais. Ok, on y va. Personnel sur la piste. Personnel sur la piste. C'est les civils, hein. Je peux te donner les cibles. Les distances. Ouais, tu vas avoir un bon visuel. Hein. Bleu, attention sur l'arrière du bâtiment. 250 mètres pour l'hélicoptère. Ok. T'as deux cibles, l'une à côté de l'autre. L'une derrière l'autre, pardon. Et la fumée là, je vois plus rien. Ah si, ouais. Attends. 250 mètres. 250 mètres pour les deux cibles. Bam. Un down. Bleu, tu m'entends? Deuxième au sol. Bleu, tu m'entends? Ouais, on arrive, on a traité deux civils sur la piste. Ok, c'est reçu. Dès que possible, tu viens sur l'hangar, tu prends position sur le sommet. Okay. Bleu, on est là. Rouge, tout est ok. Ok, nous sommes actuellement dans le hangar. On est bon. Dunko. Ouais. Boom, boom. À toi de répondre hein, pour rouge. Hein. Pousse tes grosses fesses, Dunko. Doudou, doudou. Voilà, merci. À coup, on peut se placer directement sur la hauteur. Il y a un. La vieille. Il y a un. Ouais, vas-y, vas-y. Il y a une échelle pour accéder au toit directement à coup. Ah, tu veux monter sur le toit? Moi je pensais juste me mettre là, okay, sur l'escalier. On va positionne-toi ouest, à la sortie ouest, et tu regardes l'itinéraire pour aller jusqu'en garde. Ah, ouest?
Dunko, tu surveilles ton bidon. Ouais, c'est là du coup. Ah, ici je suis bien. Bon, attention, on a des renforts qui arrivent de l'est, donc attention Dunko, tu déploies. Tu déploies, ah, prends ton bidon, si, si, tu peux déployer. On a un véhicule nord là, véhicule britannique. Ok, le Land Rover est à 670. Je peux mettre qu'un timer. 670. Ok, j'ai reçu, bouge pas pour l'instant. Hélico, hélico sur la piste, hélico sur la piste. Pour l'instant, tu abandonnes l'avion, tu te concentres sur les ennemis extérieurs, donc détruisez cet hélico. Bleu, on parle de renfort provenance est, tu attires un visuel du trait. Hélico de transport qui se pose sur la piste, tu vas sûrement débarquer des troupes. Ennemi provenance est, je regarde par la fenêtre là, mais je vois rien, Sweden. Ils sont en bout de piste, défilement gauche. Affirmatif, troupes débarquées. Je suis éloigné un peu, Sweden. Ok, on traite ce qu'on peut. Dès qu'on a 5 minutes de libre, on s'extrait et on fonce vers hangar 2 et 3. Donc, pour l'instant, on ne charge pas l'hangar 1, on fonce vers 3, 2 et 1. Deuxième hélico. Ok, traitez cet hélico, et après on part. Ok, j'ai pas les mecs, Sweden. Véhicule nord. Jeep au nord, la nuit. Ouais, j'ai bien pris pour véhicule au nord, on peut pas le traiter donc. Il y a des putain. Hommes qui sont plein nord, défilement gauche, qui vont passer à côté de la tour. Question pour les copains. Jeep détruite. Ok, déplacement, viens sur moi, vite, cible bien prioritaire. Azimut 10, un hélicoptère vient débarquer plusieurs troupes, distance. 375 mètres pour l'hélicoptère. 375 okay, mètres pour l'hélicoptère. C'est quoi le véhicule au nord, c'est type, j'y permets. Deux tombés. Affirmatif. Cible prioritaire qui nous tire dessus, légèrement à gauche. Ah putain, il vise bien les enculés. Recharge. Allez, prends-la! Oh! Oh shit! Oh, putain, un coup! Ici bleu, tireur allié. À coup au tapis. Est-ce qu'il est mort? Ouais, je confirme, il est mort. Reste par là. Ok, tu prends le fusil et tu deviens sniper. Où est-ce que vous avez pris? On vient pris. Ok, vous passez nous prendre, on est à l'ouest. Oh, mais non! J'hallucine! Vous êtes là, je suis là. Ok, on est là. Ok, tu nous emmènes. Doudou, on décroche. Ouais, ok. Encore un contact sur l'hélico de droite. Ok, je... Bon. On regarde 3 dans la...